plus jamais la jeunesse arabe et, qui vit à l'étranger est consciente des enjeux et des challenges qui s'imposent à nos nations. Et en fait, plus qu'être consciente de ces enjeux-là, on a envie de les relever avec la jeunesse arabe qui habite dans les pays arabes. On a envie d'exercer notre citoyenneté en tant que Tunisien, en tant que Marocain, en tant qu'Algérien ou d'Égyptien, et nous engager pour des pays arabes qui soient pluriels, ouverts et démocratiques. Donc j'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui avec nous nos trois invités, Alain Grèche, qui a mis le feu, disons, au monde arabe. Et qui a mis le feu, et je veux insister, c'est une idée qui me semble importante, à tout le monde arabe, sans aucune exception. Bien sûr, les mouvements ont pris des formes différentes, n'ont pas donné partout les mêmes résultats pour l'instant, mais il n'y a aucun pays qui est à l'abri. Et aujourd'hui, il y a les pays où il y a eu des transformations politiques, déjà, il y en a ceux où ces transformations sont en attente. Il y a des peuples qui continuent à lutter, comme en Syrie ou au Bahreïn, ou en Arabie Saoudite, où pour la première fois ont lieu des manifestations contre les emprisonnements politiques. Il y a quelque chose de très important qui s'est mis en marche. Et ce n'est pas étonnant que ce soit mis en marche partout, parce que finalement, les causes qui ont provoqué cette explosion dans le monde arabe, elles étaient les mêmes partout. Même si après, il y a des situations différentes de chaque pays, il y a des histoires différentes, etc. Et je voudrais essayer de dire en quelques mots les trois causes qui ont été, à mon avis, à l'origine de ces révolutions arabes et les trois défis qui sont posés au nouveau gouvernement, au nouveau pouvoir et en particulier au gouvernement dirigé par les islamistes ou par les partis qu'on appelle islamistes, je ne sais pas dans le détail, soit le Maroc ici, les frères musulmans en Égypte ou d'autres pays. Donc, sur les trois causes, je crois que la première, on l'a vu dans les événements en Tunisie, quelque part je dis que Bouazizi est le symbole de cette cause, c'est la révolte pour la Kahrama, pour la dignité. Avant même d'être une révolte pour les libertés politiques, pour la démocratie, c'était une révolte contre l'arbitraire total de l'État, qui faisait qu'un citoyen dans n'importe quel pays arabe était à la merci d'un policier, même s'il ne faisait pas de politique. C'était pas, et de ce point de vue, Bouazizi est intéressant, parce que c'est pas un opposant politique. C'est quelqu'un, c'est un jeune, il veut essayer de gagner sa vie, et il n'y arrive pas. Et il est harcelé par la police. Et c'est ce harcèlement par la police, par l'État, cet arbitraire, qui a été l'étincelle, si vous voulez, du mouvement en Tunisie et qui a débouché après sur une revendication de pluralisme, de démocratie, etc. C'est une leçon que tout le monde a entendue. J'ai pris récemment un taxi à Paris et je trouvais que le chauffeur de taxi était marocain. Et on parlait des révolutions arabes et des difficultés. Il me dit que vous ne savez pas à quel point chez nous l'attitude de la police a changé maintenant. Ils n'osent plus nous harceler. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est aussi quelque chose que tous les gouvernements doivent apprendre aujourd'hui. Les peuples ne sont plus prêts, et c'est dans le sens pour moi qu'il y a une révolution, ne sont plus prêts à accepter l'arbitraire de l'État, quel qu'il soit. La deuxième cause de ces révolutions qui est partout, c'est à la fois des politiques économiques et sociales
sociales qui ont été des politiques libérales, le Forum social mondial pour en parler, c'est à quel point ces politiques libérales vont contre les intérêts de la population, mais avec une dimension particulière qui était dans le monde arabe, c'est-à-dire que c'était pas un capitalisme libéral, je dirais classique, c'était un capitalisme libéral complètement corrompu. C'est-à-dire où une clique au pouvoir, ou liée au pouvoir politique, accaparait les richesses. Et ça, ça a été la manière dont ces politiques économiques se menaient, la manière dont apparaissait le fossé de plus en plus grand entre une caste qui accaparait le pouvoir et qui était de manière extraordinairement affichée sa richesse et la population était importante. De ce point de vue, je rappelle toujours qu'une des choses intéressantes dans ce qui s'est passé en Syrie, qu'on n'a pas peut-être assez dit, c'est le mouvement, comme vous savez, a commencé à Deraa, c'est-à-dire dans le sud de la Syrie. Deraa, c'était un bastion traditionnel du parti Barthe. C'est là où beaucoup de cadres actuels du parti Barthe ont fait leur classe. Et on oublie effectivement que, d'une certaine manière, la prise du pouvoir par les Barthistes avait aussi une dimension sociale, c'est-à-dire c'était une espèce de revanche des couches populaires en Syrie contre les bourgeoisies de Damas et de Alep. Et que la politique de libéralisation menée par Bachar el-Assad a été exactement le contraire, c'est-à-dire que les gens ont eu l'impression, à juste titre, que finalement il y avait une espèce de retour de l'ordre social ancien. Donc cette injustice économique et sociale a été la deuxième cause de la révolution. Et puis la troisième, c'est la place de la jeunesse. Et je crois que ça, c'est un élément important parce que c'est aussi un élément qui va perdurer. C'est-à-dire, dans ces révolutions, avant d'être des révolutions anti-autoritaires, des révolutions pour une transformation sociale, ont été des révolutions de la jeunesse. C'est-à-dire, d'une génération qui aujourd'hui arrive à l'âge adulte, 20 ans, 25 ans, qui sont les plus nombreuses dans l'histoire du monde arabe, parce qu'il y a eu une espèce de boom démographique qui aujourd'hui est arrêté, mais disons qu'il y a 20 ou 25 ans, qui se traduit par une explosion du nombre de jeunes. Je donne toujours ce chiffre. En 2010, en Égypte, il y a eu 1,5 million de jeunes qui ont fêté leurs 20 ans. Vous imaginez 1,5 million. C'est-à-dire, sur 7 ou 8 ans, vous avez 10 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui ne trouvent pas de travail, mais qui en même temps sont mieux éduqués que leurs parents, qui ont fait l'université, qui sont ouverts sur le monde parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a les télévisions satellitaires, etc. et qui ont d'immenses aspirations au changement et à trouver leur place. Ces trois éléments qui sont communs à tout le monde arabe sont aussi les défis que les partis au pouvoir rencontrent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut répondre à ces demandes, à ces problèmes, si on veut effectivement que la transition avance. Et c'est évident que les partis qui ont gagné ces élections, et franchement ça ne m'étonne pas, comme analyste depuis longtemps de cette région, que les formations qui se réclament de l'islam politique gagnent. On l'avait vu déjà à d'autres occasions, chaque fois qu'il y avait eu une ouverture politique, que ce soit en Égypte, en Palestine, en 2005, etc. Chaque fois qu'il y avait eu des élections un peu moins truquées que d'habitude, on avait vu cette force des partis islamistes. Et donc, ils ont gagné les élections, mais ils sont confrontés à un défi fondamental et auquel ils n'ont jamais été confrontés, en tous les cas dans la période moderne, c'est-à-dire de gérer un gouvernement, un pays, de gérer le développement économique et social. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je dis des fois, de manière un peu ironique à l'égard de ces partis, jusqu'à présent, votre programme, c'était l'islam ou al-han. L'islam est la solution. Quand on est dans l'opposition, ça peut être facilement un programme et un mot d'ordre pour une population qui est majoritairement, très largement, croyante et pratiquante. Mais quand on est au gouvernement, ça ne répond pas aux questions. Ou en tous les cas, il faut décliner la manière dont l'islam est, mais pas la solution, aux problèmes qui sont posés. Et les problèmes qui sont posés, ils sont de trois ordres. C'est ceux que j'ai énumérés et je vais les reprendre. C'est le problème de l'État autoritaire et de la démocratie politique. C'est le problème du développement économique et social.
et sur le problème de la place de la jeunesse. La question de l'État à construire, de la démocratie et du pluralisme, et de savoir quel type d'État on construit, et donc aussi du rapport entre l'action politique et le référentiel religieux, est une question qui n'est pas facile à résoudre, et on le voit bien aujourd'hui dans le discours politique des forces islamiques dominantes. C'est-à-dire, en gros, il y a un renoncement à l'idée qu'on va construire un État islamique, il y a plutôt l'idée de Daoula Medaneya, d'un État civil, mais on n'est pas très clair sur quel type d'État on veut construire. Comme je dis ça, c'est pas, enfin, c'est une critique, ça ne l'est pas. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est un défi tout à fait nouveau. C'est quoi construire une démocratie avec des gens qui aspirent réellement à la liberté d'expression, à l'organisation, à la liberté d'organisation politique, à la liberté d'organisation syndicale? Comment on concilie ça avec un référentiel musulman? Je dirais, ce n'est pas mon problème, c'est celui des partis qui sont au pouvoir, mais c'est un vrai problème de savoir. Et on voit bien d'ailleurs que les réponses ne sont pas faciles. Elles ne sont pas simplement théoriques, elles sont aussi concrètes. Comment on règle la vie politique? Comment on règle la vie parlementaire? Est-ce que, vieille question pour les démocraties occidentales aussi, est-ce que la démocratie c'est simplement le règne de la majorité? C'est beaucoup, c'est à mon avis plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a des normes qui vont au-delà du fait de savoir s'il y a une majorité ou non pour telle chose? En France, la peine de mort, comme dans tous les pays européens, a été abolie. Aujourd'hui, aucun gouvernement, même s'il y a une majorité de 70% en France, ne peut dire « je reviens sur l'abolition de la peine de mort ». Donc il y a des principes, d'ailleurs pas seulement pour les forces qui seraient là, mais d'un référentiel religieux, mais pour beaucoup d'autres forces, il y a la question de savoir qu'est-ce que c'est la démocratie, quelles sont les règles du jeu, quel est le droit de parole des uns et des autres, est-ce que le fait d'avoir 51% au Parlement, qu'est-ce que ça a comme implication? Je vais vous dire une anecdote. C'est hier, j'ai rencontré Rachid Mouchi pour discuter un peu avec lui de la situation ici. Et il m'a dit quelque chose qui m'a semblé intéressant, qui est à prendre en compte. Il m'a dit, nous avons beaucoup réfléchi, m'a dit-il, sur la situation, sur ce qui s'est passé en Algérie. En Algérie, le fils avait 80% des voix. Je ne sais pas si c'était 80 ou 70, c'est pas. Mais les 20 ou 30% qui restaient représentaient l'armée, l'administration, une grande partie de l'intelligentsia qui faisait tourner la machine. Et on a été battus. Et il me disait, aujourd'hui, nous ne voulons pas, nous, aller dans une situation où nous nous retrouverions avec 51% à imposer notre vision tout seul, mais il faut arriver à tenir en compte de cette réalité, de cette diversité de la situation. Ce sont des questions extrêmement complexes, et la question de la démocratie, c'est une question complexe, pas seulement dans le monde arabe ou musulman, elle est une question complexe, on sait partout, et que, je veux dire, c'est une construction permanente. Mais c'est une vraie question avec ce problème que je n'aborderai pas ici parce que je n'aurai pas le temps, qui est celui du rapport entre les forces dites islamiques et les forces dites laïques ou non confessionnelles. Et le danger qu'il y a, et moi c'est un danger que j'ai toujours dénoncé, une espèce de guerre civile qui ferait de la séparation entre les forces qui se réclament de l'islam politique et des autres, une espèce de clivage fondamental qui risque de déboucher plutôt sur des affrontements que sur la construction d'une démocratie. Je crois que ça aussi c'est quelque chose d'important. Le deuxième défi auquel sont confrontées les forces islamiques, c'est le défi économique et social. Et là, on est au Forum social mondial, qui se situe dans le cadre de la lutte contre le libéralisme économique, contre les politiques imposées par le Fonds monétaire international. On ne sent pas, en tous les cas, pour ce qui me concerne, je ne vois pas aujourd'hui de réel programme politique
économique avancée par ses forces. Je vous rassure, l'essentiel de l'opposition en Égypte comme en Tunisie non plus. Et ce qui m'a frappé en Égypte, par exemple, dans les débats, c'est de voir à quel point la question économique et sociale est absente et à quel point il n'y a pas de réflexion réelle sur quelles sont les possibilités de politique économique, de développement qui soient différentes. Dans les années 50 et 60, l'expérience des nationalismes arabes, qui n'ont pas été que négatives, je pense, ont été des expériences où un pays pouvait essayer de dire « je vais construire de manière indépendante, quasiment autarcique, une économie indépendante, développer l'éducation, développer la santé, etc. » Couper du monde, du marché mondial. Aujourd'hui, ce n'est plus possible pour aucune force politique. Donc, il y a de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et à ça, je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas réellement de réponse des forces politiques. Vous savez qu'il y a un grand débat en Égypte sur la signature d'accord avec le Fonds monétaire international. Alors, comme vous savez, mes frères, gouvernement dirigé par le gouvernement des frères, a dit qu'il allait signer un accord avec le Fonds monétaire international. Je dirais de manière un peu ironique aussi, que quand il était dans l'opposition, il disait le contraire, et en plus il disait qu'on ne pouvait pas signer un accord avec le Fonds monétaire international parce qu'il y avait des prêts à intérêt et que c'était contraire à l'islam. Quand ils sont allés au gouvernement, ils ont signé, ils ont dit qu'ils étaient prêts à signer et que, en fait, ce n'était pas vraiment des taux d'intérêt, c'était ou bien que les taux d'intérêt étaient tellement faibles qu'on ne pouvait pas les considérer comme des taux d'intérêt. C'est une explication un peu complexe, d'ailleurs qui était soutenue par les salafistes. C'est exactement la même bon, mais ça, je dirais, c'est la politique telle qu'elle se développe. L'opposition aujourd'hui en Égypte qui dit nous sommes contre le Fonds monétaire international, tout le monde sait que si demain ils sont au gouvernement, ils signeront exactement les mêmes accords. Et que ces deux forces, aujourd'hui, n'ont pas de réponse aux questions que j'ai à peine effleurées de le développement économique et social, du fait de la pauvreté, d'un développement inégalitaire. Il y a là un défi important qui fait que n'importe quel gouvernement qui ne répondra pas à ces questions sera confronté à une contestation. D'autant plus forte cette contestation qu'aujourd'hui, et je pense par exemple que le président Morsi ne l'a pas compris, les gens ne vont pas rentrer chez eux. Les gens descendront dans la rue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer aujourd'hui au peuple égyptien ou à qui que ce soit des choses qu'ils ne veulent pas. Donc, il faut prendre ça en compte. Et la troisième question, c'est celle de la jeunesse. J'ai dit que ces révolutions ont été celles de la jeunesse. Et en même temps, pour l'instant, en tous les cas, ça ne s'est pas traduit en termes politiques et en termes sociaux. Ça m'avait toujours frappé en Égypte quand vous alliez. Parce qu'on dit souvent qu'on avait affaire à des pouvoirs autoritaires et, disons, des gérontocraties, Moubarak ou d'autres. C'est vrai. Mais c'était vrai aussi en Égypte de toutes les forces d'opposition. C'était vrai aussi de toutes les institutions. C'est-à-dire que pour être rédacteur en chef d'un journal en Égypte, il fallait avoir 70 ans. Donc il y a une génération qui a trusté, je dirais, l'ensemble des postes de domination. C'est d'ailleurs cette chose curieuse, je veux dire, on a oublié, mais la génération qui prend le pouvoir dans les années 50 et 60, elle a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Le problème, c'est qu'ils vont rester 30 ans, 35 ans au pouvoir, donc ils vont gagner, et ils vont surtout pas laisser la place aux autres. Or, cette volonté de la jeunesse de jouer un rôle, je pense que c'est le défi auquel tout le monde est confronté. Les forces politiques d'opposition, mais je dirais aussi les forces politiques islamiques. Et ayant été, j'ai été à l'Assemblée constituante en Égypte, regarder un peu comment les gens discutaient, etc. Ce qui m'a frappé, c'est que cette jeunesse qui avait fait la révolution, elle n'était pas dans l'Assemblée constituante. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est-à-dire accepter que cette nouvelle génération prenne des responsabilités. Qu'elle prenne des responsabilités dans l'État, qu'elle prenne des responsabilités dans les organisations sociales,
qu'elle prenne des responsabilités. Donc tous les pas, c'est-à-dire le fait d'avoir 30 ans et d'être rédacteur en chef d'un journal, serait quelque chose de normal. Mais là aussi, c'est un défi auquel sont confrontés pas seulement les organisations islamistes, mais aussi les organisations islamistes. D'autant qu'il y a quelque chose qui est important, et je pense que c'est aussi une révolution qui a eu lieu, c'est que ce qui s'est passé dans le monde arabe, c'est aussi le fait que les gens, et les jeunes en particulier, ne sont plus prêts à accepter, comme à d'autres périodes, le discours du Zarim que tout le monde applaudit et que tout le monde soutient. Il y a une volonté des nouvelles générations qui, comme je l'ai dit, sont éduquées, sont liées au monde à travers les télévisions satellitaires, à travers Internet, etc., de jouer un rôle. Donc c'est des défis terribles, je veux dire, qui sont... Si j'ai dit que c'était des défis qui étaient posés au parti islamiste, c'est parce que c'est eux qui sont arrivés au gouvernement, mais je pense que les partis dits d'opposition aujourd'hui auraient exactement les mêmes défis. Mais, et je terminerai là-dessus, parce que j'ai atteint mon temps de parole, en disant que malgré ça, je reste optimiste. C'est-à-dire que ce qui s'est mis en... Le fait qu'il y ait des défis si importants après 30, 40, 50 ans de corruption, de dictature, etc., c'est normal. Peut-être par votre faute, parce que vous avez renversé le Mali relativement facilement, et par la faute des Égyptiens, parce qu'ils ont renversé Moubarak relativement facilement, on a eu une espèce de, comment dire, d'illusion que tous les régimes allaient tomber les uns après les autres, et ensuite que ça allait être simple. Ce n'est pas simple, mais c'est normal que ce ne soit pas simple. Mais, encore une fois, les forces qui ont mis en marche ces mouvements me semblent assez puissantes, et les jeunes me semblent assez déterminés et assez conscients pour porter ces révolutions à leur terme et pour les faire réussir. Je vous remercie. Par rapport au sujet qui est le nôtre, fait dans la suite de ce qu'a dit, de ce que vient de dire Alain Grèche, on a eu pas mal de débats et pas mal de points de désaccord sur l'interprétation de l'ensemble des mouvements. Il demeure optimiste, et ce que j'ai pris comme position intellectuelle dès le départ, c'est la formule d'être prudemment optimiste et prudent, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui au niveau de la gouvernance, aujourd'hui au niveau des sociétés qui sont passées à travers ce processus-là, au premier rang desquelles, bien entendu, la Tunisie et puis l'Égypte, mais pas seulement. Il faut vraiment qu'on fasse une analyse un tout petit peu pointue de ce qui s'est passé ou ce qui se passe aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en Irak et en Libye, de ce qui continue à être une situation extrêmement perturbante et difficile en Syrie et au Bahreïn. Il faut garder dans notre analyse l'ensemble de ces éléments-là, et j'y reviendrai. Mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est que quand on parle de la question de la gouvernance, il faut qu'on se mette d'accord sur ce à quoi on se réfère. Parce que malheureusement, quand on parle de gouvernance, très très souvent, et c'est ce que je disais tout de suite dans mon analyse quand j'ai écrit le livre sur le réveil arabe, je mets ceci en évidence. Nous avons été souvent trompés dans l'analyse par une surdétermination de l'événement politique et non pas de l'ensemble des autres caractéristiques et des autres critères. Et quand on parle de gouvernance, souvent on parle de la gouvernance de l'État, de la gouvernance du rapport du pouvoir à l'État, de l'autorité de l'État et du pouvoir. Or, ceci est tout à fait restrictif et, à mon sens, problématique. Et je vais y venir dans le cours du propos. Il faut complexifier. Quand on parle de gouvernance, on parle de tout ce qui est lié à l'exercice d'un pouvoir dans une société, et ça n'est pas seulement, et ça ne peut pas être seulement, répondre à la question de la qualification de l'État. Qu'est-ce que l'État et quelles sont les structures? Comme le disait Alain Grèche, la démocratie, ce n'est pas simplement l'exercice du droit de la majorité ou du droit de vote, c'est beaucoup plus complexe que ceci. Et aujourd'hui, les sociétés occidentales, qui sont des sociétés démocratiques, tout citoyen
qui est un tout petit peu éveillé intellectuellement se rend bien compte que la gouvernance ne se situe pas toujours là où on lui dit qu'elle se situe. Elle n'est pas dans le droit de vote seulement. Rappelez-vous, il y a quelques années, parlant de sa propre société, le président Bill Clinton disait « Le pouvoir dans ce pays est tenu par 1% de la population ». Ce qu'il mettait en évidence, c'est qu'il y a effectivement tous les processus de vote, mais il y a le pouvoir économique, il y a le pouvoir d'institutions qui ont un pouvoir et une autorité fondamentale sur les questions de l'État, mais qui ne sont absolument pas liées par les règles de la démocratie. Et donc, ils tiennent ce pouvoir. Et quand on parle de la gouvernance, il faut tenir compte de tout cela et d'autres éléments encore. Donc, toute la théorie des Hochman Rush, la bonne gouvernance, il faut la complexifier. Deuxième des choses, il ne suffit pas de qualifier l'État en disant État islamique ou État laïque pour avoir déterminé ce qu'il en était du rapport, soit la bonne gouvernance, soit la question démocratique, soit la question de la transparence, soit la question de la corruption. L'étude simple du rapport à une histoire récente, si on regarde par exemple les 60 dernières années, nous montre qu'on a pu qualifier un État de laïque comme on a pu parfois le qualifier d'islamique, et dans les deux cas, on a pu voir des manques de transparence, de la corruption, des déficits démocratiques. Donc il ne suffit pas d'une qualification pour avoir répondu à la question fondamentalement. Et donc cette qualification peut être en elle-même contre-productive. Et donc moi je m'abstiendrai ici des simplismes qui consistent à dire que dans une société majoritairement musulmane, on a forcément raison parce qu'on se réfère au référent en termes politiques, hein, en termes de gouvernance. On a forcément raison quand on se réfère à l'islam et qu'on aurait forcément raison dans la pensée progressiste parce qu'on se réfère à la laïcité. Ces discours et ces polarisations sont en train de mener les sociétés majoritairement musulmanes, au premier rang desquelles la Tunisie, dans une impasse du débat politique. Dans une impasse. Et moi je suis content que ce soit aujourd'hui, parce que si on regarde l'Égypte, c'est encore pire de ce qui se passe ici. Vous avez des forces dans les deux camps, si je puis dire, qui ont compris aujourd'hui que les termes du débat ne sont pas ceux-ci, ne sont pas sur la qualification d'un État, sur le référentiel, sur les propositions de politique sociale, de politique gouvernementale et de politique économique et de politique culturelle qu'il faut axer le débat. Cette polarisation est contre-productive, elle n'est absolument pas au débat ou à l'évolution de la pensée. Dernier élément que je voulais mettre en évidence en termes d'introduction, c'est de s'apercevoir, d'essayer de mettre en évidence les enjeux. Je vais juste faire ceci en 20 minutes, c'est effectivement juste une introduction au débat, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Et donc, ce que je voulais mettre en évidence, c'est deux choses. Comme deuxième point, c'est qu'est-ce que l'on dit quand l'on dit, puisque c'est le sujet, on va rester dans le sujet, qu'est-ce que l'on dit quand on dit le référentiel islamique? Est-on dans une proposition alternative? Est-on dans quelque chose qui est spécifique et qui n'aurait pas d'autre? Est-on dans la différence ou est-on dans l'alternative? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est faire les choses autrement ou faire les choses pour répondre de meilleure façon aux défis qui sont les nôtres. Donc, soit on est dans la différence, soit on est dans l'alternative, c'est-à-dire se rendre compte que ce qui a été proposé par d'autres dynamiques, eh bien, ne répondait pas aux questions de l'époque, ne portait pas de solution, eh bien, on apporte une alternative à ceci. Et donc, cette question-là, elle demande en amont à régler un certain, ou en tout cas à poser un certain nombre de questions, en tenant compte d'une chose. C'est que dans toutes les tendances politiques aujourd'hui dans le monde arabe et dans les sociétés majoritairement musulmanes, il faut qu'on mette en évidence une chose qui est l'évolution de la pensée. C'est-à-dire que même dans le courant islamiste, je veux dire au premier rang desquels, si vous lisez ce qu'a produit il y a une trentaine d'années, Cheikh Ranouchi, et ce qu'a produit dans d'autres pays, ce qu'ont produit les frères musulmans et autres, il y a une évolution. Et même dans les positions d'un certain nombre de laïcs, il y a aussi des évolutions. Il faut vraiment qu'on regarde les choses, non pas dans une espèce de discours essentialisé, voilà ce que disent les islamistes, voilà, c'est pas vrai. Alors après, on peut faire confiance ou pas, mais la confiance, elle ne se tient pas au discours, la confiance, elle se tient, elle se construit, elle se nourrit, elle s'alimente, elle se confirme par la cohérence entre un discours politique et les pratiques à partir du moment où on est dans l'opposition, où on est au pouvoir. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en évidence simplement de dire, quand on commence ce débat sur la gouvernance,
avec un référentiel qui peut être un référentiel islamique. Alors, c'est pas rien, historiquement, d'être passé de la formule Eddaoula el-Islamiyya à Eddaoula el-Madaniyya. C'est pas rien du point de vue du référentiel. Maintenant, c'est vrai qu'en étant passé de l'un à l'autre, on n'a pas encore répondu aux questions. Mais du point de vue de la spécificité théorique, quand vous êtes historiquement en train de faire face soit à la colonisation française ou britannique, comme c'était le cas dans les sociétés, et que vous êtes dans le processus de libération de l'État et de la nation, sur un plan national, le référent à l'islam, c'était de dire notre référentiel n'est pas celui du colon, et il y avait à un moment donné historique, quelque chose qui a été déterminant, qui s'est en plus concrétisé ensuite, à un moment de l'histoire, en 1979, à partir de la révolution iranienne. Les penseurs de l'islam politique ont évolué, certains très très tôt. L'un des premiers, ça historiquement, tout le monde doit le reconnaître, l'un des premiers qui n'a pas eu de problème à utiliser le concept de démocratie comme une référence, c'était le chef Rachid Ghannouchi. De tous les islamistes, à un moment donné, j'ai pu voir des islamistes qui disaient « il se trompe, la démocratie n'est pas islamique », des gens qui aujourd'hui utilisent le même concept. Alors on peut dire que c'est une stratégie politique, on peut dire que c'est une évolution. Toujours est-il que l'idée d'un État qui est civil, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un État civil dans lequel l'imposition du religieux ne vient pas ni de l'autorité religieuse, ni des référents religieux, mais que l'autorité de l'État est négociée par le bas, c'est-à-dire c'est un mandat. Ce qu'on comprend d'ailleurs dans la référence musulmane, comme a toujours été la notion même de la délibération, tout ceci on connaît. Mais ce qui est important, c'est la société civile, c'est l'État dont l'autorité est mandatée par la société et les citoyens. Et que le référentiel peut être, alors c'est là qu'on se pose la question du titre, est-ce que c'est un référentiel éthique? Comment on va s'articuler le référentiel par rapport à la structure étatique? Ça, c'est si l'on parle uniquement de la question du politique. Et là, il y a des réponses qu'il faut donner, et qu'il faut donner fondamentalement. L'idée, par exemple, et ça encore une fois, moi c'est ce que je dis depuis l'intérieur du référentiel musulman, mais qui ne me fait jamais perdre de vue que dans le discours qu'il y a avec ceux qui n'ont pas de référentiel musulman ou qui ne veulent pas de référentiel musulman dans la politique, c'est au moins d'être clair sur les principes qu'on peut avoir et qui sont des principes communs. Le premier élément, et qui, je le répète, ne doit pas être un élément de négociation ad aeternam, parce que c'est une référence sur laquelle il faut qu'on se mette d'accord, c'est la notion d'état de droit. Le deuxième des principes sur lequel qui est important, c'est la notion de citoyenneté égalitaire. Et ça, c'est un propos qui est extrêmement critique, c'est-à-dire de dire homme ou femme, riche ou pauvre, de tradition musulmane ou d'autres traditions, sans tradition, c'est la citoyenneté égalitaire. Ça, c'est un principe qui est déterminant dans la notion de la gouvernance. On ne peut pas jouer sur les mots en revenant sur des positions qui sont uniquement des discours sur le traditionnel, il faut qu'on prenne des positions extrêmement claires. La citoyenneté égalitaire, le principe du suffrage universel, c'est-à-dire que le principe de la majorité l'emporte. Le quatrième élément, c'est le principe de ce qu'on appelle en anglais accountability, et qui est en fait le fait d'être mandaté, de devoir revenir auprès du peuple pour pouvoir être mandaté à aller jusqu'au bout d'une période de temps. Et ça, c'est aussi capital, parce que vous vous souvenez qu'en Algérie, on avait un discours d'un certain nombre d'islamistes, et au premier rang desquels d'un certain nombre d'éléments, pas tous, du fils du Front islamique du Salut, qui disait « nous jouons la démocratie, nous venons au pouvoir, et nous arrêtons le processus, parce que la démocratie n'est pas islamique ». C'est-à-dire qu'on utilise la démocratie pour parvenir au pouvoir, dès qu'on a le pouvoir, ben on change les processus de décision. Ce qui n'est pas le discours de 80% de ceux qui sont aujourd'hui au premier de Kenneth Norman n'a jamais dit ceci, ni les frères musulmans. Le plus important, c'est de dire qu'est-ce que vous dites avant les élections et qu'est-ce que vous dites après les élections. Est-ce que le principe qui vous a donné le pouvoir est un principe que vous allez garder pour qu'on vous conteste le pouvoir? Parce que si vous l'acceptez avant, vous l'enlevez après, eh bien, on ne peut pas être d'accord avec ce processus-là. Donc ça, c'est un quatrième élément. Le cinquième élément, c'est la séparation des autorités. Et puis, le sixième élément, c'est celui qui, justement, réfère à l'état civil, c'est la séparation des pouvoirs en mettant clairement en évidence
que le religieux ne s'impose pas à l'autorité de l'État. À partir du moment où un État est mandaté, l'imposition ne peut pas venir du religieux. Ces six principes-là, il faut qu'on se mette d'accord, auxquels on va ajouter deux éléments, qui sont aujourd'hui les éléments dont on s'apercevra que dans tout le monde arabe, partout dans le sud et dans le nord, à géométrie variable, c'est la question fondamentale de tous ces principes-là. Ne sont rien s'il n'y a pas une lutte déterminée contre la corruption. Et quand je dis corruption, c'est la corruption aussi dans le rôle des institutions. Parce que l'une des corruptions aujourd'hui, c'est que quand vous parlez de l'Égypte, par rapport à un référentiel quel qu'il soit, si vous ne parlez pas, et c'était vrai aussi en Turquie, si vous ne parlez pas du rôle d'une institution qui n'est pas démocratique, mais qui a un double rôle de gardien de l'État et de manne financière économique, ce qui est le cas en Égypte, quand vous parlez de l'armée en Égypte, vous ne parlez pas de l'armée, de la sécurité, vous parlez de gardien de l'État et d'une manne financière de corruption absolue. Absolue, c'est une... j'entre pas dans les détails, parce que ce n'est pas le sujet, mais là, on doit poser comme élément de la bonne gouvernance politique la lutte contre la corruption et le progrès vers la transparence quant aux relations entre les institutions. Ça, ce sont des éléments qui sont de la bonne gouvernance politique. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, ce serait ça que j'entends par un référentiel éthique. Est-ce que ça, c'est alternatif ? À mon sens, c'est pas alternatif. C'est la condition sine qua non de toute gouvernance politique qui se fonde sur des principes démocratiques ou un référentiel éthique. Parce qu'il faut, de ce point de vue-là aussi, conjuguer la relation entre éthique et politique. Et moi, je le place comme ça. Je n'ai aucune crainte, et je le répète, à dire que en Suisse, où je vis, en Angleterre, où je vis, en France, que je visite, aux États-Unis, que je visite, on a un besoin fondamental d'introduction ou d'influence de la référence éthique en politique. Aujourd'hui, c'est l'un des problèmes internationaux. Donc ça, il faut qu'on se mette d'accord en disant non, c'est pas tellement nouveau. Ce qu'on vient de dire là, c'est pas nouveau. Mais c'est tellement pas nouveau, il faudrait que ce soit très ancré dans toute pratique politique. Donc ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, comme dans ceux qui le contestent, parce qu'il faut aussi une éthique de la contestation. Il faut une éthique de la contestation du politique. Et aujourd'hui, il y en a certains qui sont tellement obnubilés par le pouvoir ou tellement obnubilés par faire échouer le pouvoir qu'ils ont perdu l'éthique de la protestation. L'éthique de l'opposition. Ok, faites comme vous voulez. Voilà, ça me paraît être un élément. Deuxième élément, c'est par rapport à cela, faire très très attention aux simplifications. Et là, la question de la simplification pour moi, c'est historiquement, quand on est dans l'opposition, ce que disait Alain Grèche, c'est vrai. Moi j'ai entendu ça pendant des années, et l'islam ou al-hal, c'est-à-dire l'islam est la solution. Dans l'opposition, le slogan de mobilisation de l'opposition est une chose. La traduction d'un slogan politique effective d'alternative, c'en est une autre. Et ça ne peut plus être simplement ce que je viens de dire, ces éléments-là. Ça, c'est quoi le début ? C'est le début du discours. Maintenant, on est en train de parler de la gouvernance et c'est là qu'il faut le complexifier, cet élément de la gouvernance, et sur lequel j'aimerais énormément insister sur trois points. Que je ne cesse de répéter, et moi je suis, c'est malheureux parce que j'ai un certain nombre de positions que je mettais en évidence il y a 2 ans, beaucoup n'ont pas compris mes positions, même en Tunisie, la dernière fois que j'ai dû m'en rendre compte. Je pense qu'il faut qu'on fasse très très attention à ce qui est en train de se passer et qu'on étudie au cas par cas ce qui se passe pour ne pas aborder les questions de façon simpliste. Et comme je vous le disais, et ça a été répété par Alain, j'ai encore 3 minutes, excusez-moi. D'accord. Très rapidement, ce que je voulais mettre en évidence, c'est ce que je mettais en évidence, c'est justement qu'il ne fallait pas rester aux politiques et qu'il fallait
aborder d'autres questions. La première des questions, sur la question de la gouvernance, c'est toute cette dimension de la société civile. Parce que la bonne gouvernance de l'État doit ajouter à son rapport à la gouvernance et à l'autorité, l'autorité de la société civile. Et ça, aujourd'hui, souvent, des organisations islamistes, dans le contre-pouvoir, ont été les championnes de la mobilisation sociale. Sur le plan de l'éducation, sur le plan des organisations sociales, ce qui leur a donné une crédibilité extrêmement importante. Ils travaillaient dans le social. Souvenez-vous, la victoire de Hamas, elle est celle-ci. Pas de corruption sur le plan du terrain et service des populations. C'est vrai dans ce qui a été fait au niveau éducatif et au niveau social dans ce pays, comme en Égypte, comme au Maroc, comme en Syrie. C'est une réalité. Maintenant, il faut faire attention. Être un service des citoyens, il faut que ce soit un service qui permette aux citoyens de devenir non des assistés du social, mais des sujets du politique. Et c'est pas pareil. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'il y ait une promotion du fait d'être des sujets politiques. Et des sujets politiques, ça veut dire des citoyens avec une liberté d'expression, avec la possibilité institutionnelle, ça veut dire la gestion par le pouvoir, du pouvoir qui n'est pas le sien, c'est-à-dire celui de la société civile, le débat de la société civile. Ça, c'est la bonne gouvernance aussi. Et aujourd'hui, eh bien, dans le passage et dans la transition, il est évident qu'avec les forces qui sont en présence, la polarisation, c'est extrêmement difficile pour ceux qui sont au pouvoir de gérer ceci. Nous sommes aujourd'hui dans l'exacte réalité d'une mobilisation qui a été très puissante contre les dictatures, mais d'une société civile qui peine à avoir la force de la construction, de son pouvoir de construction du projet politique. Aujourd'hui, la société civile, elle est dans une crise de ce point. Mais ça, ça fait partie de la bonne gouvernance aussi. Et il faut qu'on parle justement de cette dimension. Pourquoi ? Tout manque de gestion ou de délégation de pouvoir à la société civile peut nous amener à quelque chose qui sera l'ordre le plus dangereux pour la démocratisation et la transparence, ce sont les populismes. Le déficit de société civile avec des citoyens sujets qui s'engagent politiquement, c'est le populisme. Et on a deux types de populisme. On a un populisme potentiel religieux. Qu'est-ce que c'est le populisme religieux ? C'est être la compétition de la référence religieuse. L'un des populismes aujourd'hui qui s'apprête et qui devient extrêmement fort, c'est le populisme des littéralistes. Le populisme des littéralistes, c'est de mettre toutes les autres forces politiques en face de leur déficience politique quand elles sont au pouvoir pour s'accaparer le référentiel religieux en disant « Eh bien, on vous l'a dit » et de nouveau, on recommence ce discours qui peut être extrêmement dangereux pour les sociétés civiles. Aujourd'hui, il faut se méfier de ceci, comme, je termine, se méfier du populisme aussi, qui est celui du populisme qu'on peut avoir dans le cadre laïque, d'un populisme laïque. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous en Occident, dans des démocraties, au nom de la laïcité, ce qui l'emporte dans beaucoup de discours politiques, c'est le populisme, c'est la crainte, non pas les sujets qui parlent, mais de potentielles victimes de ces dangereux qui s'installent. Et là, vous avez exactement la même chose. Dernier élément, c'est ma conclusion en même temps, c'est ce qui a été mis en évidence et que je ne cesse de répéter, c'est qu'on ne peut pas parler de bonne gouvernance si on ne tient pas compte de la société civile au pouvoir économique. Or, aujourd'hui, on est dans une situation observée, pays après pays, pays après pays. Et moi, je suis désolé, je ne sais cesser de le répéter, il se peut aussi que les processus de libération politique mènent à des processus de fragilisation politique qui vont ramener dans le cénacle du Front monétaire international et de la Banque mondiale toutes les sociétés fragilisées. Vous voulez un exemple ? Non, attendez, qu'on soit clair. Vous voulez un exemple ? La situation de l'Irak. L'Irak est un pays artificiellement tenu, économiquement assisté, spolié. Alors où je vous parle, la Libye, la même chose. La Tunisie, aujourd'hui, est dans une situation de fragilité économique qui est directement liée aujourd'hui aux potentialités du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Vous êtes autant en danger ici que l'Égypte l'est aujourd'hui. Et vous pouvez maintenant, mais essayons de comprendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les questions de la gouvernance, il faut absolument qu'on se pose la question, savoir quelles sont les alternatives, quel type d'éthique en économie.
parce qu'on est en train d'assister à une fragilisation politique qui pousse tous les acteurs politiques, tous. C'est pour ça que je suis d'accord avec Alain Grèche. Autant les laïcs que les sécularisés, que ceux qui étaient à gauche de l'éventail politique, que aujourd'hui certains mouvements islamistes à devenir des islamistes ou des laïcs ou des acteurs politiques de gauche capitalistes, néolibéral, au sens où ils sont obligés d'accepter ce qu'on est en train de leur imposer. Donc ça aussi, c'est la bonne gouvernance qu'il faut traiter. On ne peut pas commencer à distinguer ces éléments-là. Et puis, que les salafis poussent dans ce sens-là, c'est absolument pas nouveau. L'un des pays les plus grands promoteurs de la pensée littéraliste et salafie est celui qui a les plus grandes et les plus belles relations avec les institutions internationales les plus capitalistes et les plus néolibérales. Ce sont les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite comme le Qatar. Donc on a de ce point de vue, il n'y a aucun problème. Donc ces réalités-là, il faut qu'on pose la question de la bonne gouvernance de point de vue complet. Dernier élément qui est lié à ça, je n'aurai pas le temps de traiter, mais on y reviendra, c'est la dimension culturelle. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre la gouvernance à avoir avec la culture. C'est-à-dire comment vous vous situez par rapport à ça. Et il faut faire attention parce que la culture, elle touche à la question de la nation. Il faut célébrer la nation tunisienne. Il ne faut pas que les Tunisiens deviennent des nationalistes. Des nationalistes de leur référence politique, parce que si aujourd'hui on ne comprend pas que ce qu'on a appelé le printemps arabe, ça commence à devenir quand même des libérations nationales complètement sectarisées, et non pas du tout avec un front sud-sud, et bien ça voudra dire libérer potentiellement le politique, asphyxier l'économie et continuer la division des États, la Tunisie pour les Tunisiens, l'Égypte pour les Égyptiens, et l'argent pour l'Occident ou pour certains pouvoirs. Alors, j'ai rappelé tout à l'heure dans la loge qu'on a eu pratiquement donc, ce panel en 1992, en les journées Le Monde diplomatique, consacré au péril islamiste, avec un point d'interrogation, n'est-ce pas? Voilà. On était jeunes à l'époque. Alors, première précaution, c'est poser la question de la sorte, c'est-à-dire l'islam et gouvernance, à l'ère du printemps arabe, référentiel éthique ou projet alternatif, c'est faire prise avec une entité particulière, bien sûr, qu'est l'islam politique, parce que les révolutions ne peuvent pas se résumer justement à cet acteur, même si son rôle est important. Deuxième précaution, c'est que fidèle à l'esprit du Forum social mondial et à ceux qui accueillent notre parole, c'est essayer d'échanger autour de nos expériences respectives. Alors, dans ce sens, je vais vous inviter pour essayer de répondre à la question posée dans cet atelier, un petit exercice de collectif de pensée, on va essayer de réfléchir ensemble. Histoire d'aller un tout petit peu plus loin par rapport à cette question du référentiel et de la gouvernance. Et on va voir que ce n'est pas exactement le référentiel éthique, ni peut-être un projet alternatif, mais peut-être une manière d'agir aujourd'hui. Alors, je demanderai à ce jeune militant de me rejoindre, à lui qui me regarde. Donc, il est militant, vous voyez très bien, il s'affiche en tant que militant. Donc, moi je le croise. Je viens de terminer une alternance politique. Juste pour te rassurer qu'on peut quitter le pouvoir, hein. Et alors lui, il me dit, est-ce que tu peux m'expliquer comment vous avez travaillé, jeune militant qu'il est. Alors, au passage, donc, je constate
partir de mon assise professionnelle qu'il est atteint par l'aquabonisme. Alors l'aquabonisme, c'est une maladie qui touche les militants. Après 5-10 ans de militantisme, donc il commence à dire à quoi bon. Ça sert à rien. Je crois que quelque chose aujourd'hui commence à infiltrer les esprits ici en Tunisie. L'aquabonisme, c'est-à-dire à quoi bon tout cela. Donc lui atteint par sa maladie, moi vivant un nouvel affect, c'est celui de quitter le pouvoir, mais c'est vraiment un nouvel affect, hein, on vit même des nouveaux sentiments. Donc il me dit, peux-tu me résumer un peu l'expérience du pouvoir par rapport à l'éthique et à l'action? Par rapport à l'éthique et l'action. Alors j'ai dit, au moins ça, au moins transmettre ce qu'on a appris, n'est-ce pas? Donc alors je lui ai dit, je vais t'expliquer. Ça va? Voilà. Tu fais le naïf, le jeune, tu vois, hein? Voilà, je t'explique. Alors d'abord je lui ai dit, agir en politique, c'est agir dans un chronotope. Alors c'est un mot qui vient du cinéma, d'accord? Chronotope, c'est agir par rapport à un espace, par exemple, voilà ce dispositif, il est 17h30, et on est dans une amphi, n'est-ce pas? Et nous sommes à la faculté de droit. Donc c'est un chronotope, topie, le lieu et le temps. Donc toujours avoir à l'esprit ce chronotope. Dans quel chronotope on est? Je vais revenir à ce qu'a dit tout à l'heure M. Tariq Ramadan. Alors, ton référentiel à toi. Le référentiel. Alors, c'est quoi? Je pense par exemple au mouvement islamiste. C'est un appareil conceptuel, n'est-ce pas? C'est un credo. C'est une jurisprudence. C'est un fait. C'est une éthique. Tu es porteur de tout cela. Et tu es dans ton chronotope. D'accord? Et tu commences à toucher aux choses. Première chose, c'est que tu vas rapidement constater qu'en démocratie, les arènes sont autonomes. Le droit, c'est une arène. La politique, c'est une arène. La justice, c'est une arène. L'économie, c'est une arène. Et toutes ces arènes-là ont leurs propres acteurs, propres régimes de vérité et leurs discours. Ça va, tu me suis? Tu es dans ton chronotope, avec ton référentiel, et tu es devant des arènes divergentes. La démocratie, c'est que ces arènes-là restent autonomes, tout en se reconnaissant l'une et l'autre la légitimité. Parce qu'en dictature, toutes ces arènes-là étaient compactées. Debout avec ton référentiel, dans ton chronotope, avec des arènes disparates et divergentes, autonomes l'une de l'autre, mais en s'échangeant la légitimité. Mais ce qui est très important, ce que signifiait Tariq tout à l'heure, c'est qu'en face de toi, il y a d'autres acteurs avec leur référentiel et qui sont dans ton même chronotope et qui touchent aux mêmes arènes. Est-ce que tu me suis? Ça va? Je me suis, hein? Ah là, tu penses qu'il me suit? Ça va, vous suivez? Ça va? Du bien juste. Alors, debout avec ton référentiel, dans ton chronotope, où il y a plusieurs arènes divergentes et disparates, mais où il y a d'autres acteurs, et ça c'est fondamental, qui ont d'autres référentiels qui sont différents des tiens. Et vous allez agir ensemble. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, toi, par rapport à ton référentiel, et ça, c'est très important, par rapport à ton référentiel, comment tu es? Est-ce que tu es un traducteur ou un transporteur?
Il me dit aucun des deux. Alors, justement, par rapport à son référentiel, on peut être des transporteurs. Alors, un transporteur, c'est quelqu'un qui transporte son référentiel sur un champ sans le traduire et sans le présenter aux autres. Un traducteur, c'est quelqu'un qui touche à ses référentiels pour pouvoir les présenter aux autres de telle manière que ça puisse s'articuler avec d'autres référentiels pour pouvoir travailler ensemble. Alors il me dit, je deviens traducteur, il apprend vite. Quelque chose de très important, ton référentiel à toi, il doit s'articuler à d'autres référentiels qui sont en présence avec toi dans le même champ et qui doivent aussi s'articuler avec les référentiels des champs en présence. Je vais te dire comment travaillent les gens dans leurs champs respectifs. Alors, tu prends un juriste. Tu sais comment il fait un juriste? C'est la fac, hein, ici. Ils ont toujours, toujours la hantise d'articuler des événements avec un texte. Ils fabriquent toujours des moyens d'articulation entre une réalité et un texte. Ça, c'est les juristes. Tu passes ton chemin et tu vois un religieux. Et c'est ce qu'il fait, le religieux, il fait beaucoup de choses. Mais surtout, il transforme son âme en monument. Toujours, il creuse son âme et la transforme en monument. Tu passes ton chemin et tu trouves cette fois-ci un politique. Alors qu'est-ce qu'il fait, le politique? Dis-moi. Hein? Il ment. Oui. D'accord. Merci pour les encouragements. Donc il ment. Non, plus sérieux que ça. Il fait du théâtre. Il fait du théâtre, d'accord. Oui, ça ressemble à mentir aussi. Ouais. Il vole. Et il critique. Il propose des critiques. Non, fondamentalement, un politique, ça trace des cercles d'inclusion et d'exclusion. Écoutez-les quand ils parlent. Regardez, il y a toujours un cercle qui inclut les nous et les eux. Nous traduit la psychologie américaine comme vous faites. Hein? Nous traduit la psychologie américaine comme vous faites. Par exemple, oui, par exemple, c'est une manière de dire les choses. Donc la politique, ça trace des cercles d'inclusion et d'exclusion. Alors, n'oublie pas, tu es avec ton propre référentiel. Dans un chronotope, il y a beaucoup d'autres acteurs qui sont avec leur référentiel, avec des arènes différentes et divergentes, chacun avec sa manière de travailler, et tu dois faire avec. Alors, ce que je voulais dire par là, comment? Alors, je vais vous dire, le politique religieux. Alors, non, pas du tout. Ce que je dis par là, parce que par rapport au titre de notre intervention aujourd'hui, notre atelier, ce que je veux dire par là, c'est que l'acteur que nous sommes, qui avons un référentiel, nous travaillons dans un champ où il y a d'autres acteurs avec d'autres référentiels, c'est le problème aujourd'hui de la Tunisie. C'est que ces référentiels aujourd'hui sont disparates et divergentes. Et tout le défi pour nous, c'est justement pouvoir travailler dans un même champ avec des référentiels différents. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est là où je veux en arriver. C'est pour pouvoir travailler ensemble et pour répondre à la question d'atelier, c'est se décliner nous-mêmes par rapport à notre référentiel pour que la rencontre soit possible avec l'autre référentiel. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ce travail-là, c'est un travail qui débute. Pourquoi? Parce que lors de la dictature, il n'y avait pas cette possibilité de confrontation et de rencontre et de dialogue entre les référentiels. La Tunisie aujourd'hui, c'est un chantier ouvert où plusieurs référentiels, plusieurs familles aujourd'hui apprennent à travailler ensemble. Et je crois que pendant la dictature, on a fabriqué des profils psychosociaux qui sont plutôt représentants de leur référentiel. Et qu'aujourd'hui, le défi pour nous,
c'est de fabriquer un autre profil psychosocial pour la Tunisie contemporaine, la Tunisie à venir. Ce ne sont plus les représentants de leur référentiel, mais des diplomates. Et le diplomate n'est autre que celui qui ne renie pas son référentiel, mais qui a la possibilité de le décliner à l'autre sans que cette déclinaison ne soit une insulte, une injure pour le référentiel de l'autre. Cet atelier aujourd'hui est un atelier fondamental. Je crois qu'aujourd'hui la Tunisie a ouvert ce pli, mais ce pli-là peut se replier. Il faut maintenir cette ouverture, il faut maintenir ce chantier déplié, ouvert, pour justement que la Tunisie devienne, et je le dis, c'est un rêve, devienne une véritable terre de diplomates. Je pense que la Tunisie aujourd'hui a la capacité, a les ressources. Alors nous, je te dis, dans cette même amphi, il y a de ça à peu près 22 ans, on tenait nos meetings. Et nous étions fabriqués, socialisés par des processus de représentation. Nous représentons le référentiel. Alors, aujourd'hui, ta génération doit se fabriquer en tant que diplomate par rapport à leur propre référentiel. Et tu sais comment ça se passe? Nous, je te le dis, nous étions dans l'adhérence par rapport à notre référentiel. Toi, tu dois être dans l'adhésion. Celui qui est dans l'adhésion par rapport à son référentiel, c'est celui qui a un regard critique sur son propre référentiel. Celui qui est dans l'adhérence par rapport à son référentiel n'est autre qu'un répétiteur, qu'un transporteur de son référentiel. Fais ça! Sois un transporteur, un répétiteur, et en face de toi, un transporteur, un répétiteur, l'avenir du projet du vivre ensemble en Tunisie sera peut-être anéanti. Au contraire, sois dans l'adhésion par rapport à ce que tu es, par rapport à ta référence. L'autre est en adhésion, là quelque chose du vivre ensemble peut se construire. Alors je dis ce colloque, cette rencontre et le dispositif s'y prête. Ce colloque et cette rencontre où nous sommes chacun dans l'adhésion par rapport à son référentiel, dans la diplomatie par rapport à la manière de nous présenter, de nous décliner aux autres, pour justement fabriquer quelque chose de l'ordre du vivre ensemble et en commun. Ce colloque-là, il est une virtualité. Ce n'est pas encore une actualité. Une virtualité dépend des acteurs pour s'épanouir. S'il n'y a pas les acteurs pour l'épanouir, elle va s'évanouir. Donc notre colloque du vivre ensemble ne va dépendre que de nous pour le faire vivre et épanouir. Ça va aussi être de notre faute s'il va s'évanouir. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à comment est-ce qu'on tente aujourd'hui de travailler. Attention, c'est pas comme ça qu'on travaille. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille, loin de là. Mais on essaie justement de travailler ainsi et on aimerait que tous les praticiens, que peut-être vous êtes, travaillez de la sorte, sortir de la posture du représentant pour aller conquérir la posture du diplomate. Merci pour votre attention.